Actuellement en pleine tournée médiatique pour la promotion de son dernier roman, A Most Intriguing Lady, Sarah Ferguson enchaîne les interviews. Dans un entretien accordé à OK Magazine, l'ex-épouse du prince Andrew a notamment évoqué Charles III et Camilla Parker Bowles. Celle qu'on surnomme Fergie s'est montrée dithyrambique à propos du nouveau monarque et de sa femme. Je connais le roi et la reine consort depuis que je suis enfant, a-t-elle commencé avant de couvrir d'éloges celui qui sera officiellement couronné roi d'Angleterre le 6 mai prochain. Je pense que si vous regardez les antécédents du roi dans des domaines comme l'environnement dans lequel il avait des décennies d'avance sur son temps, et le prince Trust, il est clair à quel point il est un homme extraordinaire et à quel point nous sommes chanceux de l'avoir sur le trône. La maman des princesses Béatrice et Eugénie a également témoigné de toute son admiration pour Camilla. J'admire également la façon dont la reine consort a travaillé sans relâche dans des domaines tels que la lutte contre l'alphabétisation et la violence domestique. Supérieure à Sarah Ferguson, son évolution physique en 40 clichés. Sarah Ferguson pas certaine d'être invitée au couronnement de Charles III? Reste à savoir si la duchesse d'York sera des festivités organisées pour le couronnement de Charles III. Il y a encore quelques semaines, Sarah Ferguson n'était pas encore certaine de figurer sur la liste des invités. Le 7 mars dernier, dans l'émission de Billy Bush sur la chaîne américaine Extra Télévision, elle avait révélé ne pas encore avoir reçu son invitation, avant toutefois de préciser que celle-ci n'avait pas encore été envoyée. Je ne sais pas si je serai là parce que, vous savez, qui veut vraiment de moi là-bas? Avait-elle lancé non sans humour. La réponse dans moins d'un mois. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK.